Salut YouTube, ici Mikado et on se retrouve pour un nouvel épisode de la campagne légendaire Norska. Maintenant que nous avons Aldorf, et on va essayer de la garder. On doit retourner légèrement en arrière pour aider le clan Mulder à combattre les armées de l'Empire qu'ils ont fabriquées là, qui est assez, sont assez puissantes. Voilà. Et ça se trouve, c'est bientôt la fin du Reckland. Alors, faut savoir un truc, c'est que j'arrive à monter l'idole du serpent. Il est possible qu'avec cette idole-là, ça se trouve, finalement, j'arrive à faire proc les prétendants et finalement valider la campagne. Mais on va voir. On va pas faire comme ça. Techniquement, c'est eux qui vont devant pour prendre les coups et les berserks derrière pour DPS. Le petit 80 de puissance d'attaque, j'avoue qu'avec 78 d'attaque en mêlée, ça tape pas mal quand même. Hein. Et eux, 73-78, c'est plus équilibré. Ouais. Non, il y a le petit côté anti-infanterie. Et du coup, techniquement, amène plus de morts pour les berserkers que les maraudeurs. On s'attaque à nul, hein. C'est pas une petite ville. C'est une ville qui va apporter beaucoup d'argent. Ça se bouscule un peu. Des fois, ça serait bien. Je me demande si à un moment ils vont oser peut-être mettre des unités monstrueuses capables de monter sur les murs. Parce que finalement, il y a les volantes qui sont capables d'intervenir. Mais ce qui ferait, je sais pas, par exemple des loups capables de grimper sur les murs ou je ne sais quel type d'unité. Je sais pas. Ce petit truc là, c'est plus pour le fun, hein. Pour le coup. Là, tu peux être sûr que ça va très très vite tomber là. Je savais pas que les petits aussi avaient la résistance ultime. Enragé. Salut Dagret, comment tu vas? Attendez. On oublie souvent, hein, mais... Peut-être même un peu fort le jeu en vrai, je sais pas pourquoi, mais...
Allez mon gars, là c'est trop tard, vous avez énervé des berserks, bande de fous. Peut-être un peu taper sur les miens. Ça serait bien que t'ailles là-bas, histoire de booster les copains. Voilà. Bon, le Rexguard, la Rexguard devrait bientôt plier. Voilà, faut me les dedans. Un bateau sur l'eau. C'est marrant, ça les a juste bousculés. Donc si je leur donne ça, 163 d'armure. Ah, par contre, ça serait bien de l'avoir le truc là-bas là. Bien qu'il arrête de tirer. Voilà. Ok. Faut les trier d'avance, ça, du coup, Nagret, comme ça, t'es tranquille. Et c'est quoi le Lego? Non, 62 000. Embarking. Merci. The eternal challenger. Champions fall. Alors vu que je suis en train de poser le chaos, il y a moyen que je régène ici, non? J'en suis qu'à là. Slaughter the sheep. Okay. Bon, un petit 62 000. Ouais. I'm listening. Okay. On va faire ça. Ok, donc lui il recrute deux hôtels de guerre pour l'autre armée. Là forcément ça va se faire attaquer. Va falloir qu'on revienne du coup en arrière. On va essayer de faire en sorte que Wulfric passe par là avec cette armée pendant que Trog lui du coup attaquera par là. Au final je crois que c'est le même tour sur lequel on s'est arrêté, ou peut-être un tour après, je sais pas. À part l'épisode précédent. Allez, on met ça là. Normalement, il n'y a pas de nain ici. Apparemment, je suis pas en guerre après. Donc, je ne sais pas qui c'est ici. C'est peut-être simplement rasé. Et lui, du coup, bah, j'aimerais bien qu'il se fasse... Bah, à la limite, tiens, là-dessus. Fais-toi les dents. Voilà.
Ça t'a coûté combien du coup d'agrade de faire une création, enfin de choper toutes les pièces d'une création perso? Parce que la bagnole de Mad Max, très jolie, je suppose. Enfin, du coup, je vois la voiture à peu près, puisque je l'ai pas retenue, mais. Un bolide post-apo, quoi. Oh, l'enfoiré, il m'a bloqué. Heureusement pour moi, ça change rien. Pour le serpent. Donc après on va voir ça et après on ira là-dessus. Il faudrait que je retourne là-bas rapidement. Il reste 6 tours pour ça. Ici, ouais, je l'avais attaqué. Pareil du coup pour le serpent. Ok. À troc du coup de se faire du beaucoup d'argent. Voilà. On tente plus ou moins voir ça parce que au moins je me rassure de me dire qu'il n'y a pas d'armée qui m'attaque de ce côté-là. Marienburg, gros paquet de fric, hein. Va falloir que je vire ça si je suis pas capable de lui mettre. Hein. En tout cas, ça te fera une belle pièce de collection. Alors, mon petit Trog, ça fait longtemps que je n'ai pas joué, toi. Je te laisse raser depuis tout à l'heure en autoréseau. Il serait peut-être temps maintenant que. Oh, la différence là, il n'y a pas de grosses bêtes pour attaquer les murs, mais alors par contre, enfin, pour attaquer les portes, mais sur les murs, il y a quand même les Wyrms. Ok. On va se mettre ici. Ça a pas fait l'effet que j'aurais voulu, mais bon. Voilà, l'angle, normalement, il est beau, il est fort. Il va lancer sur quoi? Ouais, là, c'était nul, hein. Yeah.
Le bordel. Beaucoup de trolls, hein. C'est le plaisir de Trog, hein. Ils sont puissants, hein. Ils ont en plus une résistance aux projectiles de l'armure, ce qui leur permet de régène. Pas besoin d'utiliser son spell. Tout est de glace en fait dans son armée. Hein. Enfin. En gros, lui, engelure, engelure. Des engelures ici, des engelures là. Ah bah. Ah non, attaque magique ici. Ça va rebondir ? Non. Là, ils peuvent plus bouger, hein. Voilà. Et typiquement, les trolls, j'en ai perdu qu'un là-dedans. Tellement ils résistent. Pardon pour le coup dans le micro. Bon alors combien? Pourquoi pas? Là je peux régène et derrière je peux la recapturer. Ok, ici je capture, donc ici c'est fait. Il faut absolument que je me renseigne sur cette zone. Là je vais continuer d'attaquer ça. Faut juste lui faire de l'expérience. Là je commence à manquer d'infos. À ce niveau-là. Hein. Je vais m'occuper une dernière fois de cette ville ici. Et après, je remonte. Hein. En espérant qu'il n'ait pas les montagnes. Mais on dirait... On dirait que les montagnes lui appartiennent. Aïe, 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 aïe. C'est relou. Greetings. Il y a toujours 25 colonies qui lui restent. Il en a le bougre. Hein. Comme le Skaven, il capture pas vraiment. C'est pas son rôle de Skaven là. Ah oui, c'est 80% la taille de l'aura là. Il y a 500, je suis pas sûr que gagner 15 change grand chose. Par contre. Par contre. Taille de l'aura augmentée. Ou. Ça me permettra quand même de prendre ça. Ça, forcément, non. En temps mêlé, chasseur de champions, j'aimerais bien le prendre, mais. Ça me ferait quoi?
37, 38, 39. C'est mort, c'est mort, c'est mort. On ne peut pas l'avoir. Difficile à atteindre, je pense que c'est pas mal quand même. La taille de l'aura, c'est bien, mais ils sont déjà bons quand même, ces trucs. Hein. Allez, la vitesse. Je ne sais pas. Je vais mettre ça, hein, parce que j'ai pas grand chose à mettre. La vitesse, voilà, comme ça il sera bien boosté. Prochain trait, c'est du coup le conduit arcanique. Avec lui, bah là c'est les maraudeurs qu'on booste. Donc là, normalement, lui, il a eu la ruine des hommes, tempête métallique et brise-rec. Ce qui est plutôt pas mal. Est-ce que j'ai peut-être une arme meilleure pour toi? Ok. Peut-être mieux que ça, non? Non, j'ai pas. Par contre, toi, visiblement, tu ne sais pas te servir de ça, donc ça ne sert à rien. Non. On n'a pas de berserk. 6% pour les mises à sac. Ça nous aurait aidé là sur le moment. Ok. Y'a vraiment pas mieux. Après, l'épée du tourmenteur est pas mal, mais. La petite tête enflammée. Pour lui, on peut répandre la corruption. Pour être pas mal. Ok. J'ai pas de nouvelles du nain, c'est un peu inquiétant. Il faut que je retente des négociations avec le Skaven et Malekith. Parce que je leur ai fait quand même des beaux cadeaux. Donc là, normalement, je gagne. Donc j'ai débloqué le deuxième. Il me reste techniquement... pour arriver à 40, sachant que je gagne 6, c'est ça, hein, par truc. Il me faudrait 5, 6, 7 villes. Et je devrais toucher le bout. I am the one. J'avoue que ça me fait un peu peur parce que là j'ai pas de nouvelles de l'Empire. Ah ouais, putain, l'enfoiré il enfonce sévère. Hein. L'Empire de ses morts. Et comme lui il veut pas faire la paix. Ah là 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 là. En fait, faut vraiment que je m'occupe de lui pour me dire après je suis tranquille, quoi. Bon, bah là. Tu me tues rien. Niveau 3, c'est attendu.
Je crois qu'il y avait un bâtiment spécial pour moi. Mais visiblement non. Ça m'intéresse pas des masses. Ok. My Ice Age comes. Take what's theirs. Je flippe, hein. Mais là, il va falloir pour l'instant que l'autre tienne un peu, hein. Voilà, avant de se faire enfoncer tout ça, on a le temps, mais... I'm listening. Soit je me grouille. Embarking. De choper son truc ici, de le casser et de vite rentrer. Wolfric. Il a zéro ennemi qui veulent bien. Vraiment là. Despoil and ravage. Overrun the world. Marauding. Bon, je vais choper ça, forcément, je vais le terminer. No true savages. Et après, c'est quoi? Il l'a ou pas? Ouais, putain, il a Wissen et tout. Ah, faut que je régène à un moment. Hein. Pas possible, hein. Je régène que dalle, hein. No escape. Bon, son truc, c'est pas défendu, mais... Faut que j'arrive à régène là. Donc, au pire, je vais là et je retourne en bas après. Hein. Parce que là, je vais quasiment rien perdre après. Hein. Ok, ça c'est bon. Ça c'est bon. On chopera ça. J'ai presque envie de faire une autre armée en fait. Au pire, elle est temporaire. Et là, normalement, j'ai. Alors, non, je n'ai pas. C'est... Je croyais que j'avais le... J'y rêvais. Splendeur diabolique, un rusé, un déformé niveau 11. On va prendre lui parce qu'il y a le rusé. Tac, tac. Voilà. Ok. On va recruter concrètement que de bonnes unités. On va aller sur un truc très basique, mais très puissant. Si possible. Autant commencer par le plus lourd. Donc on va prendre des mammouths de guerre. Ensuite on ira sur des berserkers, des champions maraudeurs et des champions maraudeurs armes lourdes. Peut-être quelques haches de G, on verra bien. Attendez. Voilà. Là, si je veux, je peux me dépêcher. Genre, je peux accélérer la chose en faisant 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, un truc comme ça. Et merci Seitamods. Et merci Moontlove pour vos follow. Bienvenue les gars. On peut faire un truc comme ça déjà pour commencer. Apparemment, il n'y a rien qui traîne ici. Donc je vais remonter jusqu'à Couronne. Je vais faire le tour. Je vais sonder un peu le territoire. Et salutations les gars. J'espère que vous allez bien. Lui, j'ai besoin de lui donner des niveaux parce que ce monde est trop brut pour lui.
Évasion. Je dirais qu'on est bon. Ouais. Ouais. Ok. Ok. Et du coup, là, il lui reste 5 tours pour ça. Donc, le temps de raser ça, je pense que je serai quasiment arrivé au bout. Et grâce à ces 5 tours, j'ai du coup 2 mammouths de guerre. Je ne sais pas si ça se cumule leurs effets ou si je vais scinder en 2, on verra bien. C'est un petit test. Ok. Rituel de l'éveil, ouais. Putain, j'ai oublié de... la diplomatie. Ok, il y a 2 armées Skaven ici. Il va peut-être s'amuser à récupérer, ça serait bien. Ou par contre le nain. Tant qu'il vient pas me chercher, je m'en fous, mais... Allez, on va tenter une nouvelle négociation. Ça remonte. Par contre, il s'en bat les couilles que je... Je négocie avec son ami, hein. I have seen you. Yes, yes. Yes, yes. Allez, j'ai des Skaven en commerce encore. To the four corners. Ok, maintenant que j'ai régène... J'y vais. J'attaque ça et je reviens. De ce côté-là, j'attaque ça. On va la faire nous-mêmes. Chez Korn. J'ai appris à négocier chez Korn, moi. Très fin négociateur. Je vais regarder souvent si j'ai encore le cadeau de proc sur Malekith. Salut Mio, comment tu vas? Et après on verra... Salut Max Panam. Yes. Ah. For the Blood God. Ready to murder. Chaos Marauders. Toujours prêt, toujours prêt. Et ça va être optimisé, bien sûr. Chaos Marauders! My God's gone! Chaos Marauders! No will! Yes! Find their pitiful walls! Allez! Sorcerer!
Pas grand chose à faire, hein. Essayer de tirer là-dessus. D'ailleurs, tu peux monter, toi. Hein. Allez, il force la porte. Hein, ça. Bientôt, bientôt. Là où ? Alors, c'est bon? Et c'est parti les gars. J'ai pas de points encore avec lui? Non. Essayez de les sniper. Vas-y, 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 hop! Et normalement, avec ce petit côté anti-large là, ça devrait les gratter petit à petit là. Vas-y, on lui fait les deux. Ouais, ça fait leurs petits dégâts, hein. Balle mammouth. Allez, go. Ils ont bientôt terminé de monter. Ouais. Allez, hop. Hop. Ah, il fait la queue comme tout le monde. C'est un chef qui respecte la queue. Voilà. Pas d'autre mot. C'est pas parce qu'il est chef qu'il peut pousser tout le monde. Et je trouve que ça se respecte. Et si on le tombe, peut-être que... Tico moral. C'est quand vous voulez, hein. C'est des albardiers, hein. Les mecs, ils sont au maximum. Normalement, ouais. Ok, ça fuit. Salut, Poum. Bon. Pas une grande ville. Bon, elle va peut-être me rapporter un petit 12 000. Ouais. Ah, j'étais pas... Eh, j'ai un compas dans l'œil, hein.
Regarde mon gars, 11 967, j'avais dit 12 000. Ouais, non, mais... Despoil and ravage. Okay. Faut être fier, hein. Faut être fier, j'ai trouvé. Mammouth, c'est quand? 18, oh, c'est loin. Merci, Ch'ti de Lille, pour ton follow, bienvenue. T'as follow parce que j'ai trouvé le chiffre, c'est ça? À peu près, j'étais pas loin. Mais je comprends. J'ai su impressionner à ce moment-là. De par ma trouvaille. Il a remis un compte électeur en place! Ah, ouah! Oula! Non, t'es encore trop petit. T'es un petit louveteau. Il peut pas. T'as plus de chances d'être blessé que de le choper. Si ça, je dis rien. Donc on va... Non, non, passe par là, passe par là. Essaye de l'esquiver. Voilà, passe par la forêt. Ouais, mais c'est des lanciers nuls. Overrun the wall. Ok. Allez, on monte ça. On chope ça. Voilà. Toutes nos armées ont joué, celle-ci chope ça et ça au prochain tour. Ce qu'il faut que je confirme, c'est qu'il n'y ait pas d'armée naine qui traîne. Ah, putain, mais faut aller tellement loin! Et après, apparemment, ce n'est plus lui. Bon, le fort, on s'en bat les couilles, hein. Ouais, le fort... C'est pas un problème, hein. Quatre tours. Dominate. Ça va me faire penser à Obélix et Astérix quand ils mangent le gâteau. Ah là là. Ok, donc je peux raser ça. Il a pas l'air de vouloir venir. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Visiblement, il a perdu contre lui. Super. Apparemment, le monsieur, il veut des conseils. Une fois qu'on aura ça, on ira chercher des loups et puis voilà. Juste ici. Et ça va être une armée classique. Classique, classique. Voilà, comme ça on peut régène. On accompagne. Parce qu'on a besoin de vision pour cette armée, faut faire attention. Là, c'est un truc dangereux pour Wulfric en vrai. Hein. Ça paraît pas comme ça. Hein. C'est dangereux. Hein. Annihilation.
pour le serpent. Tribesmen gather. That was my idea. Alors, le truc dit qu'on est encore à 60 sur 60, ce qui n'est pas vrai. Normalement, on va s'attaquer à Couronne. Le petit loup. Et il va essayer toujours de se faire les dents. À 4% de... Non, c'est beaucoup, hein. Allez, on va par là. Chieftain of the tribe. Ouais, bah. Va pour ça. Le petit conduit. Alors toi, t'as des géants, des loups. En fait, t'as un peu tout. Alors du coup, mammouth et géant. Bon, on va mettre là-dedans. Le bombardement, yes. Ici. Voilà. Pour l'instant, ça va. Alors, apparemment, c'est aux nains. Je vois qu'il y a du bleu qui commence à apparaître. Apparemment, c'est aux nains, ça. Donc, ça peut se raser quand même. L'Empire, il est en train de récupérer un territoire chez l'autre. Je comprends même pas. Et dis-moi que tu m'aimes bien. Oui, t'es en vert. Oui, oui, ça va. Oh là là, on devient des vrais amis. Merci, Loubou. Merci à toi. Nous sommes des Paxiens maintenant. Je savais même pas que ce que ça voulait dire jusqu'à finalement au moment de la signature. Le terme exact de Pax. What do you want? L'hôtel de la bête? L'hôtel de la bébête? On va s'amuser à attaquer ça pour... je croyais qu'il y avait plus 5. C'est tout du coup? Comme ça, je dois dire que j'ai un goût de déception, mais... Tirusé en plus. Comme ça, ça lui donne 20% de chance d'embuscade. Yes. C'est pas mal. En plus, on n'a pas de pète. Allez, vas-y. Northmen come. Overrun the world. Understood. Into the fray. Bon. Ça veut peut-être dire que là, du coup, on va voir déjà combien ça me rapporte. 1000.
Ça paye les frais. Wintertooth stomping on. Là, tout d'un coup, paf, 1800, allez, boum. My challenge undeniable. Ce que je peux faire, c'est directement aller sur Pledorf, hein. En vrai, hein. Genre, je spot un peu cette zone, là, histoire d'être sûr qu'il n'y ait pas de margoulin. Pas l'air. En plus, c'est que dalle défendue, ça c'est... Ça, c'est beaucoup de frics, hein. Donc, comme ça, au moins, on commence par le fond pour revenir petit à petit. Finally, a fight. Ahead. Ouais. Where's my next quarry? Je pense que c'était une bonne idée. Et après, on peut réattaquer par là avec Wulfric. Peut-être devoir choper les trucs ici aussi, là. Pas trop. Couronne au prochain tour, elle est à nous. Il commence à capturer là-dedans. Voir ça. Il y a ça. Pourtant, normalement, on lui fait mal, hein, mais ça a pas l'air de le calmer tant que ça. Hein. Il va falloir faire attention. Hein. Là, j'ai hâte que cette armée soit terminée, là. Hein. Comme ça, boum. On attaque direct, hein. Et on fait-on un petit peu à la main. Dommage. Est-ce que j'oserais faire ça? Je pense que dans les vides, ça marche bien quand même. On va essayer. Voilà. Oh putain! J'étais pas prêt en forêt. Merci Jalo pour tes services. Salut Mickaël, comment ça va? En fait le truc, enfin je sais pas comment ça vous retranscrit la chose sur le stream. Comme il vient fort dans mes oreilles petit à petit. Alors. Alors attendez. Ça du coup on rase. Je sais pas à combien on en est mais... On devrait être pas mal là hein. Ouais, c'est mieux que... Je pense. Ah, vous voyez comment ça se ramenait là. Ça y est. Il commence à se ramener. Je crois pas qu'il puisse avoir la ville du premier coup là. Despoil and ravage. The crow directs me.
Le problème, c'est que si je rase, ok. Après, est-ce qu'il va oser attaquer avec une seule armée? Ça, plus mon armée dedans. Ça me paraît gros quand même. Hein. Contre ça, oui, tous les jours. Time for a feeding. Et donne-moi couronne. Oui, 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 c'est vrai, la politique, la politique. Je dois dire quoi en politique? Un accord avec moi ou je te casse la gueule? Ou plutôt... Fais un accord avec moi ou je te coupe les roubignoles. Ou fais un accord avec moi et ou j'accrocherai ton crâne sur un pic. Peut-être plutôt quoi en négociation. C'est vrai que techniquement, quand il pense, c'est plus intéressant la deuxième option. Non ? Que bon, dans ce monde-là, tu fais que la guerre. La guerre, la guerre, la guerre, la guerre, la guerre. Peut-être que finalement... Tu peux en soi... C'est quoi qu'on m'a balancé là? Je rêve, il y en a un, il m'a acheté de la fiente là. C'est des mortiers? Non, c'est pas des mortiers. Bizarre cette histoire. Toc toc. On ne tient pas le record de destruction de portes là. Je trouve qu'elle est tombée super super vite là. Ah ouais, d'accord. On va faire abandonner ça avec les Wyrm. Chaos Marauders.
met du temps à tomber en vrai, ça. C'est bien, c'est qu'ils arrivent à rien faire sur les nôtres, mais par contre on les défonce. Je vais être de l'Empire là. C'est plutôt efficace en vrai. Le bombardement là. Salut Scraggy! Et c'est le petit nom! De quoi, Loubou? Merci Saskia, merci à toi! Tu sais, je pense que la Norska, quand tu lui dis combattre les maladies, elle. Tu vois, elle fait ça. Elle prend le truc, elle fait ça. Tu vas voir, moi je vais la combattre. Attends, bouge pas. Voilà, petit 69 000, on a presque 500 000, ce qui veut dire que pour l'instant, notre armée, elle nous a absolument rien coûté. On n'est pas, elle nous a pas mis en déficit de quoi que ce soit. Il nous manque le loup et le sorcier, ce qui fait qu'on sera au total 16. Et du coup, 4 loups, je pense, pour compléter. On sera bien. Au prochain tour, je peux attaquer. Ici, bah, je pense que je vais... Ouais, je vais pas hésiter. Alors, plutôt... Voilà. Pourquoi je mets encore à sac? Non pas parce que il y a un côté pervers à tout ça, mais bien parce que comme ça, au moins lui va pouvoir venir à côté de lui. Donc là normalement c'est en mode courir, mais je crois, je sais pas s'il est capable de. Je sais pas. Je pense pas. On a quand même pas mal d'unités. On a lui qui pourrait... Je peux me mettre là. Comme ça. Finalement voir si ça attire son armée. Ça me permet de fortement régène, sachant qu'il reste un tour pour les mammouths de guerre, donc ça serait dommage de les rater. Et du coup, en termes de défense, avec ça, ça nous donne que ça, sérieux? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais. C'est pas fou, hein? Je pensais que ça se défendait quand même mieux que ça, hein.
pensais que ça se défendait mieux que ça. Salut Zoli. Le petit loup, le petit loup, le petit loup, le petit loup. On peut tenter ça. Donc l'idée c'est que j'attaque ça au prochain tour. Vérifie ici qu'il n'y ait pas grand chose. Au cas où. Et normalement vous allez dans cette armée. Alors. Recruter les loups je peux là, là et là du coup. Donc on va être là. Donc on va aller là au prochain tour. Donc ça sert à rien que je les emmène tout de suite dedans. Twisted thoughts. Donc je suis prêt pour couronne. Ouais bah autant aller chercher ça hein. Voilà. Il a sa vitesse et tout. Bon la charge. Vu qu'il est tout seul, c'est pas super efficace. Donc on va quand même mettre des points là-dedans, ça serait pas mal. On fait un fin de tour. Évidemment blessé. Il y a n'importe quoi. Hein. J'ôte beaucoup de territoire à l'Empire et au final, il arrive à se refaire alors que le clan Mulder, normalement, devrait littéralement l'écraser. Mais bon. Ah, plutôt une bonne nouvelle, ça, pour nous, normalement. Hein. Alors, à moins qu'il ait réussi quelque chose, je ne crois pas. Je crois que je vais pouvoir l'attaquer. Parce qu'en vrai, son armée, elle fait pas peur. On va regarder, mais normalement, elle fait pas peur. Ah, putain, j'ai pas obligé de négocier. Pourquoi lui, il m'attaque? Comment il fait? Merci, Abrael. Merci à toi pour ton follow. Bienvenue. Ouais, négocier, 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 négocier. Ok. Stop this. Il est pas loin d'accepter. Hein. Il est pas loin, il est pas loin, il est pas loin. Tu veux dire que... Je pense que si lui, je l'ai en ami... Ah non. T'es prêt presque à... Ouais, ouais. T'en es où dans le cadeau? Cadeau, il fait trop effet. On va refaire un cadeau. I suppose. Voilà. À lui aussi. Horned rat provides. Petit cadeau. Non, c'est pour lui, c'est dans lui. Bah écoute, maintenant Abrael, c'est fait. Mais merci à toi du coup. Bienvenue. Et salut du coup, Jaquel. Bah ça va bien et toi? Ah, attendez, attendez, attendez. On s'en fout qu'il fasse des échecs. Hein. Tout ce qui compte, c'est... C'est que ça rate, quoi. Slaughter the sheep. Tous les jours, je te défonce.
Ah, mon armée. If you will. And speak very well. Bon, déjà, toi, bisous. Overrun the wall. Excusez-moi, mais vous n'avez rien à faire à côté. Je n'ai pas besoin d'appeler à l'aide. Into the fray. Voilà, ça dégage. Là, je sais pas ce que c'est que cette histoire là, mais. Hop, ça dégage. Et hop, donne un niveau. Donne un niveau à papa. Pardon ? Ok, on va faire. Ah, bah repose-toi bien du coup et merci pour ton abonnement offert à Dadaï. Bienvenue Dadaï et merci Jaquel. Et merci petit écho pour ton follow, bienvenue. Qu'est-ce que c'est que cette histoire là ? Now is our time. That's what the masters bid. Chaos comes. Allez ici. My gods call. J'aurais dû mettre l'héros dedans. Non, c'est samedi. Pas vendredi. Chaos Marauders. That's what the masters bid. Non, normalement le titre c'est légendaire. Mais qui ? Allez les Vobots! Allez, 1, 2, 1, 2, allez lâche! Quoi? Dégagez! Tirez là-dessus! Lead us to mortals! Now! What Horde demands! Charge them! Y'en a, ils vont prendre la sauce! Show the masters! Et voilà! Oh, ils sont très jolis en tout cas comme ça. Alors c'est bien, je leur demande de courir, eux. Voilà. Ils sont pas simples à utiliser en vrai les H2G hein. Parce que c'est courte portée, c'est pas très rapide. Tout ce qui tire de toute façon n'est pas rapide à se mettre en place. Il devrait être peut-être un peu plus rapide pour que ça soit plus facile.
Ils font très mal, mais ouais, c'est... De par leur courte portée, quand tu commences à placer, déjà tu sais très bien que la cavalerie, jamais tu la touches. Elle arrivera au corps à corps beaucoup trop tôt. Ah, il y a plus. Et normalement, si je vais là-bas, je recrute des loups. On a dit, c'est une armée très classique. Voilà. Overrun the wall. Bon. Bah, il est temps que j'essaye avec lui. Tremble, weaklings. All will perish. Chieftain of the tribe, laying to waste. Ok. J'ai deux mammouths de guerre, hôtel de guerre qui arrivent. Normalement, vont venir m'aider. Je vais très vite au corps à corps avec tout ça. J'ai des loups pour aller chercher derrière pour faire le tour. On devrait le faire. Attention, lance-grenade. Hein. Ça, c'est dangereux, ça. C'est pas aussi bien utilisé que le joueur, généralement, mais... C'est une unité en autoréseau. C'est juste le feu. Shields up. That's what the master's bid. Leader of savages. Prepare to ruin. So be it. Fait du monde, hein. Allez les bobouts! Faites quoi en fait comme effet? Ouais. Ok. Dire pourquoi pas, hein, mais... Allez, on a un Héliobolis apparemment. Probablement aller dans cette mêlée. Et à partir de là, on essaiera de choper ce qu'on peut. Pourquoi mes deux mammouths ils bougent pas là-bas au bout? Qu'est-ce qu'ils foutent?
Là, on est dans la merde. Hein. J'ai des trucs qui viennent pas là. Arrête-le! Oui. C'est le moment de croire. J'ai pas regardé les effets qu'il y a eu, mais... Pourquoi il vient pas? C'est assez sombre pour moi qu'il soit aussi lent, mais... Du coup, je cours après tout ce que je peux. Voilà. Yes! Ok. Donc, apparemment, j'en ai peut-être besoin que d'un, finalement. Ou alors, je peux... En fait, je peux peut-être perdre ma boost. Je sais pas. Je croyais qu'on avait perdu plus que ça, ça va. Et merci à toi, petit écho. Merci à toi pour ton prime. Bienvenue. Merci beaucoup pour ton soutien. On rase, hein. On veut plus en entendre parler de ça. Hein. Voilà, je suis à 78. Je sais pas pourquoi maintenant 78. Je suis à 78. Donc je peux le claquer tous les combien de temps en fait? Applique dégâts par le feu. C'est pas mal ça. Hein. C'est dommage, il est goldé, hein, mais... Je peux pas le garder. Je perds 12 000, d'accord? On installe tout. On se fait plaisir. Voilà. Et au prochain tour, paf. 500%. Et il sait qu'il va se faire un maximum de pognon. Toi, fais attention, toi. T'as 10 colonies, fais pas le malin. Hein. To the four corners. Parce que sinon, ni vu ni connu, boum, j'écrase ton truc, là on n'en parle plus. Hein. Bon, je suis obligé de la faire. Non! Jamais, Jaquel. Jamais avec ce mode. J'ai déjà beaucoup de campagnes à faire et sans ce mode, il y a plein de campagnes modées à faire aussi. Salut Iridan, comment tu vas? J'ai failli essayer une fois, il y a longtemps, mais au final je me suis dit... Parce que j'avais pas spécialement la connaissance des modes, encore quand j'étais en mode vanilla tout ça. Et en y réfléchissant, je me suis dit que bon, c'était pas... En fait, c'était pas nécessaire que je teste un mode d'équilibrage.
Il y a plein de trucs à faire déjà avant. Il faudrait vraiment que je sois en total désaccord avec ce qui se passe dans le jeu. Pour que finalement je me dise, ah ouais non là, non, j'installe le mode, c'est mon dernier espoir pour kiffer quoi. Faudrait vraiment que ça soit comme ça. Ou comme j'ai dit que j'ai vraiment terminé ce que je voulais faire. C'est pas avant longtemps. Et après j'envisagerai d'essayer pour avoir la connaissance dessus. Poussez pas! Mais arrêtez de pousser mes bordels! Beaucoup trop hâte de défoncer des porteurs. On est blindés, nous. Aïe! Relève-toi, gamin! C'est pas terminé! Voilà, c'est comme ça qu'on motive. Moi du coup j'ai un autre mode pour le chaos que je conseille très souvent. Pour le chaos, pas pour les embêtes et la norsca, j'ai pas de mode. Hop là! À moi! C'est bien, c'est que ça, en fait, ce spell donne priorité à tuer des unités plutôt que de descendre la totalité. Un petit 244. Il avait fait 120. Il a fait 120 juste au... en tapant. Après il debuff de malade hein. Enfin il debuff et il buff. Donc ça veut dire il debuff l'ennemi de défense mêlée, attaque mêlée, je crois, avec Discord, avec l'homme de Discord. Et du coup 24 défense mêlée en plus pour nos unités autour. Ou non, 24 d'attaque mêlée. On n'a pas pris la défense, on a pris l'attaque. Voilà, qui me permet de régénérer un peu. Chieftain of the tribe. You have my favor. Ok. Donc ça finalement je l'ai. Et là, deux tours. Wulfric, l'attaque en mêlée, c'est son dernier point. Il est équilibré 71-71 sur Mammouth. Ça fait mal. Je sais pas quoi mettre comme point. On va mettre ça, hein. Comme ça, au pire, quand il capture une grande ville, ça sera utile. Mmh.
Alors, Snyar. Les mammouths. 93 d'attaque en mêlée. Ah ouais, c'est si haut que ça, Légion. Légion tout confondu ou... Bizarre. On va voir s'il n'y a pas une armée qui se fait ici. Toujours pas. Run. On est à moins 12 000. Alors j'espère... Là techniquement on me dit que mon commerce rapporte 1906. Hein. On va voir ce que ça donne 500%. Encore une rébellion. En tout moment je me fais reprendre ces trucs là. Mais lui dans deux tours il bouge. Donc pas de soucis. Il est là, il le dit. Vas-y, viens, gamin. Viens te battre. Never, no. Enslave the Southerners. C'est dommage, je sais pas bouger. Là, du coup, je vais avoir une rébellion du chaos. Bon courage du coup, Jaquel. Et merci d'être passé. Je sais pas si c'est un moment de faiblesse chez les nains, mais voir cette barre-là s'agrandir de mon côté, ça fait plaisir. On va essayer de négocier, voir. Bon en maths, hein. Enfin, je pense que je touche ma bille. Mais 500% de 1900, on arrive vraiment à 3894? Là, je sais pas comment ça s'applique, mais plus 500%. Bah, le montant de base, j'avais vu un montant de commerce ici de 1904, je crois. Et maintenant, je suis à 3008. J'ai l'impression que ça fait 200% là, du coup. Alors, je sais pas où il s'applique en fait ce commerce. Bah non, normalement j'ai pas de... Je crois pas avoir de bonus. Je crois pas qu'il y ait d'autres bonus de commerce avec ça. Hein. Je crois pas, hein. Le commerce chez eux, c'est pas... Y a pas d'autres traits de commerce chez eux, hein.
Merci à Lobrogia pour ton follow, bienvenue. Je m'attendais quand même à une nette amélioration. Là... Despoil and ravage. Done. Carnage at last. Ouais, faut très vite s'en occuper de ça. Hein. Moving out. Ok, vu la régène que j'ai, je pense que je peux faire ça. Avec lui, je peux m'amuser à fouiller par-ci, par-là, hein, ou alors spot même. Hein. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il n'y a pas d'armée? P13, c'est très bien. Non, mais le mec, il essaye de faire revivre un... Fear me. They can't hide. Offerings of death. Alors je sais pas où j'en suis, mais je pense que je suis quand même pas loin là. Hein. Je suis à 84. Donc on va peut-être voir le bout. Hein. Shaman sorcerer. I'll be there. Dominate. Ouais, on va peut-être un peu arnaquer, hein. Qu'est-ce qui est possible à attraper un moment? Truc Drakenov? Ok. Pour l'instant, on a des géants goldés. I eat my enemies. Ouais, bah tant qu'à faire. Autant réduire le coût. Je suis à 11 000, j'ai 480 000. J'avais dit que je négociais. Yes, you may speak your words, but they will change. J'arrive à remonter dans son estime. No, no. Never. Sacrifices while on my deck, you will do as I command. Bon, c'est pas lui qui devrait m'attaquer normalement. Quand je vois les puissances, bon, 1, 2. Et l'Empire, il est compté comme 6 avec ce qu'il a. Allez, je crois en Mulder pour se refaire. De toute façon, je lui amène une armée qui va l'aider. Et après, je retourne en arrière pendant que lui continue à raser ici. I am king. Je peux peut-être déclarer la guerre à l'auterne. Pour justement... Donc ouais, je comprends pas le 500% là. Moi je me suis dit, ça y est, le développement du commerce, il va péter le feu. Hein? Alors c'est une belle augmentation, mais quand même. Ouais, il est un peu relou là-dessus. C'est vrai qu'il il donne cette sensation d'être increvable. Il y a toujours un moyen de revenir quelque part. Tu sais même pas pourquoi le clan Mulder il se laisse surprendre comme ça. En bas. Du coup, il reprend des villes, mais moi je lui en rase, donc bon.
C'est comme ça, hein. Je vais retourner avec celle-ci, avec Ulfric, je remonte bientôt, donc je suis pas si mal, hein. J'aimerais bien attirer avec lui une armée. Au moins, on aura gratté pas mal ici, déjà. Et tu vois, je continue de raser tout ça, là. Après, je laisserai l'effort, parce que l'effort, je m'en fous. Done and done. Embarking. Speak. More scum. Pas fait exprès. Salut, Dracarius. Comment tu vas? Et on va arrêter du coup l'épisode. Ouais, non. C'est une bataille, ça sert à rien de vous la montrer. On y arrive, on va bientôt toucher le bout au niveau du serpent. Est-ce que ça va permettre de proc quelque chose? Je ne sais pas. Dans tous les cas, on se retrouve au prochain épisode où on continue de taper sur l'Empire et il est pas loin d'être terminé. Et gros bisous, ciao ciao.